Grâce étonnante, ô quelle douce âme, souvent malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé à vous maintenant. Chapitre 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, oh Dieu, un cœur pur. Tendre Père et précieux Sauveur, merci de tout notre cœur pour ce moment que tu nous accordes encore la grâce de pouvoir être rassemblés en ces lieux, Père, pour réellement
que nous puissions encore de tout notre cœur t'exprimer l'amour que tu as placé dans notre cœur et en retour, ce que tu as fait pour nous aussi. Beaucoup de reconnaissance, mon roi, pour cette journée que tu nous as accordée, Père Saint-Dieu. Et la soirée, comme on dit, c'est au temps du soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, où toi tu descendais, mon Seigneur. Nous nous sommes préparés aussi à être dans ta maison pour pouvoir également aussi recevoir de ta part ce privilège de pouvoir te louer, Seigneur, avec nos lèvres et avec nos cœurs aussi, Père Saint-Dieu, t'exprimer encore ces sentiments d'amour à ton endroit, à toi, t'exprimant cet amour que tu as eu à pouvoir manifester aussi à notre endroit. Et en retour, nous voulons te dire, vraiment, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Sois donc exalté encore ce soir, sois donc élevé encore, Père Saint-Dieu, et que dans notre cœur et dans notre vie, tu sois toujours le premier, Seigneur. Oh Dieu, chaque jour de notre vie sur cette terre, mon roi, nous voulons vraiment que tu puisses davantage avoir plus de place dans chacun de nos pères. Béni soit ton nom merveilleux, Seigneur, qui aujourd'hui encore nous conduit, encore nous éclaire encore davantage. Tu es vraiment comme la boussole pour nous, Seigneur. Si nous ne te voyons pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous sommes pratiquement égarés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne savons même pas quelle direction nous pouvons prendre, Père Saint-Dieu. C'est pourquoi tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. Sois donc béni encore aujourd'hui pour ton amour, Père Saint-Dieu, pour nos enfants, nos petits-enfants et nos frères et sœurs aussi, Père Saint-Dieu. À ceux-là aussi que tu as accordé aussi une année de plus, mon roi. Cette année encore de plus, c'est pour te servir encore davantage. Seigneur, nous ne voulons pas des années pour faire autre chose. Nous ne voulons pas des années pour, Père Saint-Dieu, vivre comme nous le voulons, Seigneur. Nous voulons des années pour pouvoir encore davantage te servir, les mettre à ton service, à ton monsieur. C'est pourquoi nous te disons merci chaque fois. En te disant merci pour l'année, puisque nous avons encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. On te prend la garde de nous garder encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans ta parole à toi, Père, pour que chaque jour, Père Saint-Dieu, nous appliquons notre cœur à la sagesse. Nous voulons compter nos jours. Nous voulons le compter, Seigneur Jésus, afin de pouvoir réaliser que c'est une grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que le lendemain ne nous appartient pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci pour les chants et les cantiques. Merci pour les psaumes. Merci aussi pour les prières qui sont montées devant ton trône de grâce pour chaque requête qui a été déposée. Oh Dieu, bien-aimé Père, nous avons confiance en toi. Ce que tu entends nos prières, tu exauces aussi, Seigneur. Et tu connais les fardeaux que porte Père Saint-Dieu aussi ton Père, mon roi. Mais tu as dit, fais-les à moi, tu es fatigué, chargé. Merci pour tout, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, renouvelle encore par nous ces désirs encore puissants. Quand nous sommes dans ta maison, à toi, pouvoir également aussi te chanter, te louer et exprimer encore de l'amour à ton endroit avec beaucoup de zèle. Merci pour les enfants qui t'ont aussi chanté. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons merci encore pour les moments qui nous accorde encore aujourd'hui où nous pouvons nous retrouver ensemble comme notre précieux frère Christian l'a lu dans les psaumes. Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Et comme la Bible les clarifie encore davantage, c'est là que le Seigneur notre Dieu déverse la bénédiction, car c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête et qui descend jusque sur la barbe d'Aaron. Cela montre la cohérence, effectivement, la coexistence et surtout l'unité, en fait, de ceux-là qui sont donc rassemblés en réalité. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous rappelle toujours, les choses qui doivent être aussi connues de nous et qui sont aussi importantes aussi dans notre marche, parce que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec notre Seigneur. Nous devons toujours, en fait, avoir dans notre esprit, notre pensée, que nous sommes donc dans l'exode, en fait. C'est-à-dire qu'en déplacement, en mouvement, parce que nous devons rentrer, aller chez nous. Et dans cette marche, effectivement, que nous avons avec notre Seigneur, c'est ce qu'il nous a lui-même déclaré, que je connais mes brebis, je les appelle par leur nom, et je les fais sortir, et pour le conduire, en fait, et moi, je suis devant, et mes brebis me suivent, en fait. Nous sommes donc réellement en mouvement. Et nous devons être conscients qu'effectivement, que si nous nous stagnons, que nous nous arrêtons, effectivement, alors nous perdons la cadence et nous perdons aussi
le cheminement aussi, le chemin. Parce que le peuple d'Israël, il devait chaque fois être conduit par la colonne de feu et la nuit, et la colonne de nuée le jour. Et c'est la colonne de feu et la colonne de nuée qui leur montrait le chemin. Et c'est le Seigneur, parce que Moïse ne connaissait pas le chemin. Et il n'y avait que le Seigneur lui-même qui connaissait donc le chemin. Et c'est pour ça que tous, ils étaient donc soumis. Et ils étaient dans cette cadence-là. Et c'est comme ça, Dieu n'a pas changé donc sa façon de pouvoir faire les choses. Il nous a fait vraiment une promesse dans sa parole, une déclaration aussi qu'il a dit, « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Si le monde est en toi, tu seras aveuglé. Tu ne pourras jamais voir le Seigneur. » Et sa manière aussi de pouvoir faire aussi le mouvement dans lequel aussi il entraîne effectivement son peuple. Parce que le mouvement des nations, le mouvement de peuple n'est pas le même mouvement. La cadence de peuple des nations, des églises aussi, n'est pas la même cadence qu'effectivement du Seigneur lui-même. Souvenez-vous, nous devons nous souvenir tous effectivement, afin qu'on ne fasse pas l'amalgame, c'est-à-dire le rassemblement de beaucoup de choses inutiles. Ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, « Je bâtirai mon église ». Ça veut dire qu'il ne s'occupera pas des autres églises. Il n'est pas intéressé par les autres églises. Il est intéressé par son église. Donc les églises, effectivement, ont leur cadence. Ils ont également leur chef, effectivement, et tout ça, donc leur mouvement ainsi. Mais l'église du Seigneur, effectivement, a la cadence, effectivement, qui est donc rythmée par le Seigneur lui-même. Donc, effectivement, nous ne marchons pas, je parle bien quand le « nous », c'est en fait ceux qui sont donc en Christ, donc ceux qui ont eu à pouvoir avoir cette expérience avec le Seigneur, qui ont été baptisés donc en lui, effectivement, quand je parle de baptiser en lui, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le baptême dans le eau, mais le baptême dans le Saint-Esprit, donc dans l'Esprit, pour être placé donc dans le corps. Donc effectivement, que la manière dont les choses sont faites par le Seigneur, c'est différent effectivement des autres. Et ce sont ceux-là aussi dont les Saintes Écritures déclarent clairement en disant que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu donc sont donc fils de Dieu. Donc on voit la différence effectivement dans la conduite, effectivement, de la manière. C'est-à-dire que on voit aussi que leur cadence, leur façon de pouvoir marcher et avancer est tout à fait différent. Donc ce n'est pas la même chose que les mouvements effectivement qui agitent effectivement les églises, effectivement les peuples et les nations effectivement, mais ça c'est un autre mouvement effectivement, une autre cadence effectivement. Et les pas qu'ils font effectivement, ce ne sont pas le même pas que les gens du monde effectivement aussi. Alors je crois que c'est peut-être bien de pouvoir vous donner un exemple concret pour que vous puissiez voir effectivement. Voyez-vous frères et sœurs effectivement, ce que dans les églises en réalité il y a le mouvement où les sensations qui se font effectivement aussi, et aussi dans ce qu'ils font, et ils dansent aussi. Oui, ils dansent aussi effectivement dans tous les endroits. Dans le monde aussi, il y a la danse. Donc vous voyez que quand le mondain danse, ils sont aussi sous la conduite d'un esprit du monde effectivement aussi, dans ces mouvements effectivement. Et aussi dans les églises aussi. Il y a aussi la danse aussi. Il y a aussi les mouvements aussi. Alors regardez très bien la danse des églises, effectivement, aussi les croyants qui sont donc dans les églises, effectivement. Et la danse, effectivement, de ceux qui sont donc dans le monde, en fait. C'est-à-dire que vous allez rencontrer qu'effectivement, qu'il y a, aujourd'hui, quand on voit, effectivement, c'est exactement le même mouvement. C'est le même pas qu'il faut, effectivement, aussi. La même danse qu'il faut, effectivement, aussi, bien sûr. Mais maintenant, posez-vous la question, mais qu'en est-il, effectivement, avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ? De quelle manière, effectivement, aussi, que le mouvement doit se faire? Donc, si l'esprit qui anime le monde, effectivement, c'est l'esprit de l'ennemi, effectivement, et qui le pousse, effectivement, à danser selon le monde, effectivement, et que nous avons aussi vu, nous avons aussi compris, ça c'est que le Saint-Écriture nous dit, effectivement, pour l'âge de la Odyssée, comme le Seigneur l'a dit, effectivement, il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Mais parce que tu es donc tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors, ça veut dire que le monde est en plein dans l'église. Dans les églises, effectivement, le monde est en plein. Regardez les pas quand on chante, effectivement, comme l'église, quand ils font les pas. Quand ils dansent, effectivement, il n'y a pas une grande différence.
Là, on comprend effectivement l'esprit qui anime ceux qui se disent que nous sommes des croyants dans les églises aussi. Et puis bon, ceux qui sont aussi effectivement dans les bars, dans les cafés, dans les boîtes de nuit, effectivement. Et les danses, effectivement, des chanteurs qui sont donc c'est sur le marché, effectivement, qui font des concerts. La preuve, c'est que vous remarquerez très bien que dans les églises, effectivement, dans la religion, on fait maintenant des concerts. Il y a ce qu'on appelle maintenant des stars qui sont des chrétiennes. Donc on les nomme par leur nom, ce sont des grands chanteurs, effectivement. Et ils vous font des concerts, effectivement. Ils vous font sortir aussi des grands tubes, comme ils appellent, effectivement, qui fait que ça fait bouger les églises. Et quand tu y vas chez les mondains, c'est exactement la même chose avec les chanteurs, les compositeurs, effectivement. Et quelle est la source, effectivement, de leur inspiration? Les uns vous diront, effectivement, que bon, ils vont déclarer en se disant, et voilà que nous avons quand même, comprendre que nous avons été quand même au cimetière pour avoir l'inspiration. Ce sont donc les mondains. Et après, quand ceux qui sont devenus aussi des stars aussi dans le domaine effectivement de la chrétienté, des églises, effectivement, qui vous chantent et que vous sautez, vous dormez, et puis quelques temps après, ils confessent en disant qu'en tout cas, moi aussi, j'étais au cimetière. Et la plupart de ce que vous avez eu à pouvoir entendre de moi là, c'est parce que j'étais au cimetière. Alors finalement, on ne sait plus très bien qui est qui, effectivement. Donc, le mouvement, effectivement, de l'esprit est tout à fait différent. Alors, quand on est dans l'église du Seigneur, il contrôle tout, en fait. Même votre danse, effectivement. Quand vous dansez, que ça commence à avoir un peu de virgule, ce que vous devez comprendre, qu'effectivement, qu'il y a quelque chose qui vous a saisi. Parce que tout ce qui concerne Dieu, effectivement, c'est toujours saint, saint, saint et l'éternel. Même la danse devient sainte, effectivement. Même la manière, oui, c'est vrai, mais la manière de voir chanter aussi, tout est sanctifié, effectivement, parce que nous avons à faire, c'est parce que lorsque nous entrons, effectivement, dans ces lieux très saints. Quand nous sommes effectivement dans les parvis, effectivement, c'est là qu'effectivement que nous subissons, nous sommes là en proie à toutes ces choses, effectivement aussi. Alors, on a des sensations, des choses, effectivement, donc on pense que c'est ces choses, effectivement, qui sont faites, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu, effectivement, et parce que ça, c'est dans les parvis, en fait. Alors, on remarque, effectivement, que ce que le monde donne ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, en fait, choses qui sont donc semblables au monde, effectivement, il dit, mais je hais ce que vous dites des cantiques, vos cantiques, en fait. Ouais, c'est... Mais quand le Seigneur prend lui-même le contrôle de son Église, alors la cadence, elle change. Nous n'avançons pas selon la cadence que le monde donne, les églises donnent, effectivement, parce que il y a une puissance dans les églises. Oui, le mouvement dans les églises, effectivement, il y a une puissance, en fait. Ce qui fait aussi agir aussi beaucoup de gens, effectivement, aussi. Il y en a. Mais il faut se poser la question, on va savoir, mais quelle est donc cette puissance, effectivement? Qui est en train d'animer tout ce monde, effectivement, aussi, et qui est derrière, effectivement. Vous devez savoir que les diables, donc Satan, les serpents anciens, tout ce monde, ils peuvent copier tout. D'ailleurs, vous pouvez voir hein, comment aussi dans le monde, vous avez des chanteurs, et puis vous avez des gens qui jouent des instruments et tout ça, qui sont vraiment des experts en cela. Oui, parce qu'ils copient tout, effectivement. C'est pas pour rien que le Seigneur, notre Sauveur, parce qu'il est de 24 ans, il a dit, il serait tellement si près. Tellement si près. Vous savez, nous avançons dans le train-train comme ça, sans qu'on puisse. C'est quand on est effectivement dans le lieu que Dieu nous a placé, que c'est lui qui conduit les choses. Alors, on ne fait pas les choses comme l'on veut. On ne se sent pas qu'on est obligé parce que soit on nous oblige d'essayer, on nous interdit ceci, parce que c'est... Non, c'est comme ça que ça agit dans les gens aujourd'hui, en fait. Et il n'y a personne qui veut vraiment,
qui aime. Parce que quand on regarde même, il n'y a personne qui aime vraiment Dieu de tout son cœur, en fait. On l'aime simplement verbalement. Et quand il arrive, effectivement, parce que si on aime Dieu vraiment, comme le Seigneur Jésus-Christ a répondu, voici donc le commandement qui lui est donc semblable le plus grand. Mais tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il faut d'abord qu'il soit ton Dieu. Et s'il est donc ton Dieu, tu dois savoir pourquoi il est tellement si important pour moi qu'il soit devenu mon Dieu. C'est sûr et certain. Parce que quand quelqu'un a un Dieu, c'est qu'il a l'assurance qu'il possède tout. Parce que Dieu, c'est celui qui est au-dessus. C'est le protecteur, c'est le garant, c'est lui qui pourvoit. C'est pour ça que les gens prient. Dieu. On pourvoit ainsi. Alors, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être entier. Yeah. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. C'est écrit comme ça. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées et de tout ton être, donc de tout ce que tu es. C'est cela. C'est la vérité, non? C'est ça que le Seigneur nous a donc recommandé, effectivement, nous disant, c'est ce que Dieu aime. Vous le croyez, non? Alors moi, je vous pose la question. Si on dit que on est appelé à l'aimer de tout son cœur, donc de tout notre cœur, donc tout ce que l'on a, de toute notre âme, de tout notre être. Vous me suivez bien? Alors, je vous pose la question, on doit savoir. C'est Dieu-là dont toi, on est appelé à pouvoir aimer comme ça. Il est qui? Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu n'est ni l'autre que la parole. Donc, quand toi, tu te révoltes, quand la parole vient et puis te montre que c'est comme ça que tu dois faire, c'est contraire à ta pensée, alors tu comprends. Donc, ta réaction, c'est pour ça que je dis que personne n'aime Dieu. Vous pouvez me dire, ah, frère, nous l'aimons, l'amour de tout, vous chantez très bien. Mais vous oubliez que Dieu est la parole. Ah, je t'aime Jésus, je t'aime. C'est Jésus en question, il est illusionné. Il est dans l'illusion ou quoi, mais il est là. Ta parole a été faite chair. Et nous l'avons contemplé, nous l'avons tenu dans nos mains. Bien sûr que oui. Mais c'est le Jésus de la Bible. Mais quand la Bible te parle, toi, frère, te parle, toi, sœur, il faut que nous comprenions les choses de Dieu, ils ne sont pas compliquées. Mais comme je l'ai toujours dit, frères et sœurs, écoutez cette importance-là. Dieu ne vous enverra pas dans l'enfer. Vous-même. Vous vous envoyez vous-même en enfer. C'est pour ça que vous remarquez très bien que je l'ai toujours dit ici. La Bible nous dit, bon, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous voyez cela. On dit bien, purifiez vos âmes. Pour avoir un amour fraternel. Et puis il nous dit que puisque vous avez été régénéré, n'est-ce pas? Il est impossible que toi tu sois régénéré, c'est-à-dire que né de nouveau, et que tu ne puisses pas arriver à pouvoir aimer Dieu. C'est parce que d'abord, tu ne peux pas aimer quelqu'un dont tu n'as pas une relation, un lien, tu ne connais pas. Vous avez entendu, non? Voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des copains. Quand vous lisez, vous devez faire attention. Pour des frères. Quand on parle de frères, c'est que nous sommes nés. Il y a un lien qui nous unit. C'est mon frère. C'est ma sœur.
quand vous lisez, quand vous ne vous asseyez pas n'importe comment prendre des airs, il faut que vous puissiez avoir ce respect dans les choses de Dieu et que vous compreniez, frère. C'est pas du théâtre parce que tout ce que nous lisons, c'est toujours un jugement. Vous ne vous rendez pas compte, hein, en fait. Oui, c'est sûr. Si haut qu'il est doux, hein, n'est-ce pas vrai? Et agréable hein, pour des frères de demeurer. Vous vous rendez compte de cela, effectivement, donc les jours à Pentecôte, donc dans les Actes au chapitre 2, ils sont venus des différents endroits, vous vous souvenez, hein? Des élamites et tout ça, ils ne te connaissaient pas. Ben, ils sont venus ce jour-là, comme de coutume, effectivement, aussi donc à Jérusalem pour adorer, effectivement. Mais au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, c'est écrit. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, effectivement, là? Et puis, lorsqu'ils sont approchés, effectivement, là, ils ont entendu des hommes qui parlaient, effectivement, et quand ils se sont approchés, ces hommes-là, ils sentaient que dans leur cœur, ça travaillait. Ils disaient, c'est pas possible! Moi, je suis arabe, effectivement, des lamites et tout ça, chrétien, égyptien, tout ça, c'est pas de l'histoire, c'est 100% la vérité. Il dit, comment ces hommes sont des Galiléens? Il pèse nos cœurs et qu'il nous parle, moi je l'entends dans ma propre langue maternelle. Qu'est-ce ainsi? Vous comprenez? Donc, le cœur était dans un état où... Alors c'est à ce moment-là que Dieu a sonné. Ah oui, oui. Comme ça, vous entendez dire, mais leurs cœurs furent vivement touchés parce que d'abord, le travail était dit, c'est pas possible. Il dit, mais ce sont des hommes comme nous, mais ils sont tous, ils n'ont jamais voyagé, qu'ils ont appris toutes ces langues-là, en plus de cela. Et lui, il me parle chacun de nous ici, on l'entend, comment il peut, c'est pas possible. Il parle dans sa langue maternelle. Et moi, je l'entends dans ma langue maternelle, lui aussi. C'est que là, s'il y a quand même quelque chose de surnaturel, le cœur était déjà préparé, mon frère. C'est la vérité. Et quand Dieu a commencé à s'aimer maintenant, ça s'émence. Il n'y a pas eu de problème. Alléluia. Amen. C'était donc la parole pure qui a été s'aimée. Et cette parole, effectivement, elle est descendue dans le cœur à lui crier. Que ferons-nous donc? L'explosion. Amen. Mm-hmm. L'explosion. Et on nous dit ce qui reçurent de bon cœur sa parole. C'est pour c'est ainsi que des étrangers qu'ils étaient, quelque chose s'est passé. Quand Dieu entre dans ton cœur, dans ton âme, tes yeux s'ouvrent, c'est terminé, mon frère. Tu ne calcules pas que je dois faire à celui-ci, sinon c'est dit que cet amour divin dans ton âme te pousse à pouvoir maintenant faire du bien à. Alors maintenant, tu regardes celui qui est en face de toi maintenant. Il a reçu la même parole. Le changement a eu lieu. Il dit, mais c'est mon frère. C'est ma soeur. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'église primitive, à la Pentecôte, il n'y avait pas de critique entre les frères et les sœurs. Nous avons ouvert les portes, effectivement. Mais je prie pour que Dieu nous aide à comprendre les choses divines. Parce que, comme j'ai dit, le châtiment sera plus sévère et le jugement sera plus sévère à celui qui a reçu beaucoup et qui n'a pas pris conscience. Ne jouez pas, ne prenez pas, effectivement, que non. On vous demandera beaucoup. Parabole de l'homme de talent. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 25. Rémi des talents, tout le monde, effectivement, aussi. Il y en a un qui a pris le talent, dit, mais il est allé cacher le talent. Vous vous souvenez? Pas fructifié quand le maître est venu des méchants, comment se dire que tu as pris le talent, tu as eu un pouvoir ici. Non, j'avais peur, effectivement. J'avais peur. Vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, vous voulez qu'on le lise, comme oui, ah bah, c'est Matthieu 25, tu ne trouves pas à dire cela.
comme nous sommes aujourd'hui, il est 20h35, je vais vous laisser partir tôt, ce que j'ai dit la fois passée, nous étions allés jusqu'à très tard, puis on lit ça, puis bon, on va prier. Hein. Matthieu, chapitre 25, il nous dit cela, voilà. Oui, c'est ça, oui. Matthieu 25, et nous pouvons lire à partir du verset 25, ça. Alors, peut-être un article, on peut bien commencer peut-être à partir, à partir du verset 14, le 25, ce qu'on a eu, j'ai eu peur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit donc ses biens, et il donna donc 5 talents à l'un, 2 à l'autre, au troisième, et à chacun donc selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre et cacha de l'argent de son maître. Longtemps après, le maître, ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai donc beaucoup, entre dans la maison de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu 1 talent s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends donc ce qui est donc à toi. Ce maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent manqué et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc les talents et donnez-les à celui qui en a donc les 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il n'y a pas grave. Vous savez, frères et sœurs, vous, comme la Bible dit, vous avez reçu. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné? Dans l'église primitive, effectivement, donc à la Pentecôte, comme j'y disais, parce que la Bible fait savoir, il va jusqu'à dire, mais il n'y avait même pas aucun indigent. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de critiques. Non. Il n'y avait pas de murmures. D'ailleurs, à quel moment on peut déjà commencer à pouvoir avoir des mauvaises pensées à l'endroit d'une personne? Parce que nous avons expérimenté une chose tout à fait particulière, tous ensemble. Les voisins que je ne connaissais pas, donc avec qui nous sommes, quand nous avons entendu le bruit, nous sommes revenus, et nous sommes venus ensemble pour écouter, effectivement, mais son cœur a été touché, le mien s'est touché, j'ai vu qu'il y a eu la même réaction. Et puis, en cet moment, quand Pierre nous a parlé, nous avons cru, effectivement, on a reçu la parole, on est rentré, chacun de nous, dans son intérieur, sans qu'on s'aille parler. Je vois les voisins qui viennent, qui m'apportent la bouteille de ceci. Et moi, dans mon cœur, j'avais déjà une chemise que j'allais lui donner. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'amour de Dieu a montré que c'est mon frère, c'est ma sœur. Donc, les pensées rien que pures à moi et dans mon frère et mon frère. Pas de dispute. Alléluia. Amen. Nous sommes des hypocrites, mon frère. Tu n'es que les chrétiens de façade. Vous vous mentez vous-même. Vous ne direz pas, Seigneur, nous ne savions pas. Non, vous l'avez entendu, vous le savez. Mais votre cœur est toujours endurci. Vous aimez trop la chair que vous êtes. Vous vous aimez tellement trop. Et surtout, la recherche de gloire. Moi, je me pose la question. Et même si tout le monde vous glorifie, qu'est-ce que ça va vous donner? Les démons, quand ils vous aveuglent, ils vous ont vraiment aveuglé. Et vous écoutez, c'est comme si vous n'écoutez pas, ça ralentit, ça sort de l'autre côté.
Je ne sais pas moi qui vous, comme l'apôtre Paul dit, mais qui vous a donc ensorcelé ou donc aveuglé comme ça à tel point, parce que moi je vous ai prêché l'évangile pur. Comment ça se fait que vous arrivez à ceci? C'est pas possible. C'est que quelque part il y a quelqu'un qui vous ensorcelle. C'est ce que il dit, mais qui vous a ensorcelé? Bon, que je crois que c'est Galate, hein, pour que vous puissiez me comprendre, parce que bon, en fait, que vous ne puissiez pas avoir des pensées dans la tête. C'est cet homme de Dieu ici. Galate, chapitre 3, c'est cela, oui. Aïe, 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 Galate 3, merci Père. Galate 3, ici, il nous dit, oh, verset 1. Oh, Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. En d'autres termes, qui vous a donc ensorcelé? Qui vous a tourné tellement des pensées comme ça? Parce que, il dit, vous aux yeux de qui, écoutez bien, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, quand on vous l'a donné, quand on vous prêchait, vous le voyez vraiment exactement comme cela. Et puis, il dit ici, il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous, est-ce pas? C'est-à-dire que, il a dit, mais c'est pas possible que vous puissiez arriver à ce point-là. Parce que l'évangile vous a été donné, parce que c'est lui qui dit ici, dans Galates au chapitre 1, il dit, verset 1, Galates 1, pour que vous compreniez ce qu'il dit, pourquoi il dit cela. Paul, apôtre de Jésus-Christ, donc apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort, dit à tous les frères qui sont donc avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Vous y êtes? En fait, vous arrachez du présent siècle le mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre. Alors il dit, hein, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit vraiment maudit et chassé. Pas de communion. Pas de communion. Et puis, il exprime effectivement cela aussi. Et puis il dit, nous vous l'avons dit précédemment, je le répète, à cette, si quelqu'un vous annonce un évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit donc maudit. Puis il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, j'ai reçu. Vous connaissez cela effectivement. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi êtes-vous arrivé à ce point-là? Alors qu'on vous a donc donné ce qui était juste à ce que vous puissiez recevoir. Qui vous a donc fasciné pour que vous puissiez revenir à des rudiments comme des mondains, comme des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir effectivement aussi entrer dans la présence de Dieu. Effectivement, c'est pas possible. Parce que dans cette église à Pentecôte, mon frère et ma soeur, chacun d'eux avait les pensées pures. Il n'y avait pas, oui, il a fait ceci, et ceci, cela. Il venait pas avec intention, toujours de sournoiserie, en dessous et derrière. Non! C'est ça qui détruit les hommes. C'est ça qui vous détruit. L'hypocrisie, double personne. Il ne faut pas être dans cet état, espérer que Dieu n'est pas quelqu'un qui ramasse des ramassis. Non, il nous a témoigné. Lorsqu'ils sont sortis, tous les ramassis ont été décimés sur le chemin, effectivement. Parce qu'on a vu la nature des ramassis. Ce qui est terrible, hein. Et voyez. C'était pas qu'ils étaient étrangers à cela, parce que la Bible nous fait savoir. Donc nous devons pas, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, hein. C'est là que je vais te les lire, hein, pour que vous puissiez voir, hein. Ah. Vous permettez? Parce que bon, j'étais en train de courir pour vous laisser à 20h34, mais bon.
Je vois que je suis en train d'avancer. Vous acceptez? Amen. Oui. Mais je regarde ici, je ne vois pas mon frère que j'ai vu tout à l'heure là. C'est les cousins, les frères ou les cousins de notre frère Modeste. On a prié pour notre frère Modeste tout à l'heure. Je suis heureux que Dieu le bénisse richement. Mais mon frère, j'aime bien te voir devant. Ne vous inquiétez pas, il y a de la place assez devant. J'aime bien te voir devant. Il a un témoignage extraordinaire. Mon chant, on n'a pas rendu jusqu'à aujourd'hui, ça c'est extraordinaire. J'aime bien te voir devant. Non, 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 toi reste là. Ceci, il va, mais il va s'asseoir à côté de... Oui, mais ici devant, frère, j'ai bien dit sur la chaise devant. Ici, ici, juste l'avant, ici, devant, voilà. Tu passes comme ça, j'aime bien te voir comme ça. Là, tu t'assieds là, devant, juste à côté, là. Voilà. Content, merci. Alors, donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, nous pouvons lire avec vous, ici. Voilà, c'est ça, je pense bien, voilà, voilà. Il dit, verset 1, il dit, mais frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas que ça soit ignorance, effectivement, que vous ignorez cela, mais je veux vraiment que vous ayez cela en mémoire. Dit, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères. Tous. C'est-à-dire qu'ils ont vu des choses surnaturelles. Ils n'étaient pas absents, mon frère et ma soeur, présents. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Personne n'était oublié. Donc, c'est dit que là, ils ont bien vu de leurs yeux que devant, c'était la mer Rouge, effectivement. Ils ont commencé à murmurer contre Brice. Vous connaissez ce que je parle dans le détail. Je vais être en bref. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé sous leurs yeux? Là où c'était la mer, effectivement. Donc, il n'y avait même pas dessus. Vous connaissez cela? Ils voient quelque chose qui se passe, effectivement. Parce que le Dieu de leur père n'était pas un Dieu qui faisait des erreurs. Non. Il était un bon stratège, mon frère. Il savait pourquoi il avait là-bas. Mais eux, dans l'ignorance, effectivement, se croyant des intelligences intellectuelles, effectivement, avec leurs pensées, ils disaient, mais il est ignorant. Parce que Dieu ne va pas faire les choses selon vos pensées. Il faut qu'on les sache, frères et sœurs, tout le jour de notre vie, frères et sœurs. Nos pensées ne seront jamais ces pensées. Il l'a dit, Isaïe 57. Alors là, il voit effectivement que, il dit, c'est impossible pour nous. Et Pharaon qui est derrière, ils étaient convaincus qu'effectivement, que, bah, Moïse était vraiment, il était examiné dans les erreurs, effectivement, ben là, ils ont oublié, frères et sœurs, que quand ils sont sortis, c'est avec le surnaturel. Ça, c'est toujours le problème. L'amnésie spirituelle. L'oublie constamment, effectivement, de ses dieux. Et ça, c'est un grand danger pour le peuple de Dieu. Et ça, c'est les pièces de Satan. Parce que quand tu te souviens de ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait pour toi dans ta vie, dans l'épreuve, tu n'abandonneras jamais. Amen. Tu dis, je me souviens. Amen. C'est cela qui m'encourage, moi. Parce que quand j'étais dans les bas, personne ne m'a sauvé. Il est venu, il m'a fait sortir. Aujourd'hui encore, je m'accrocherai à lui. C'est ça, mon frère et ma soeur. Nous perdons notre temps à des futilités. Nos pensées sont souillées. Notre imagination souillée. Et qu'on pense servir Dieu, mon frère, d'une manière souillée. Il n'y a rien de bon. Eh bien, écoutez, il dit, mais qu'ils ont tous traversé au travers de la mer Rouge. Ils ont eu pour voir que Dieu a ouvert une voie. Là, on ne peut même pas imaginer. Comme je vous l'ai toujours dit, quand le Seigneur les a fait sortir, effectivement, les a fait passer par là, lui, avant même que la mer soit, il avait déjà tracé un chemin. C'est la vérité, frère, il savait que là, c'est pour ça qu'il les a amenés là. Il ne se trompe jamais. Il faut toujours les laisser faire. Ça te semble que s'il n'y a pas de voix de laisse-lui faire, aie confiance en lui. Il sait pourquoi il t'a amené à cet endroit-là. Allah qui criait, mais on va mourir, effectivement. Lui, il dit, mais ce que je vous ai montré en Égypte, si vraiment on voulait, si vraiment qu'on puisse vous tuer, vous serez mort là-bas.
Je suis même descendu pendant que vous pleurez. Sarah, on nous fait souvenir. Je suis descendu pour vous prouver que je suis venu pour vous faire sortir. Un bras fort et puissant. Même les derniers jours, effectivement, où Pharaon disait, je ne veux pas, je voulais montrer que moi ici, j'endurcis et j'adoucis aussi. L'oubli, c'est le problème avec le peuple de Dieu. On est tellement, on devient tellement trop naturel avec les gens. Vous savez, le mot, on commence à pouvoir avoir, c'est-à-dire qu'on veut ressembler dans la façon de voir penser au monde, on raisonne comme le monde, effectivement. Frère, c'est-à-dire que comme les gens, les êtres humains, non, raisonnent effectivement. Mais le peuple de Dieu ne peut pas raisonner comme ça. Dieu nous a retirés du milieu du monde. Donc, nous ne pouvons pas raisonner comme le monde raisonne. Est-ce que Dieu ait pitié de nous? Bref, le Seigneur a eu à pouvoir ouvrir le chemin. Quand ils ont vu, là, la canne, le cœur a commencé à trembler. Il dit, mais certainement, c'est Dieu, il est vrai. Mais il n'était pas vrai seulement à ce moment-là. Non, sinon, il était toujours vrai. Même quand il est venu vous chercher, il a dit, mais je me souviens, toi, il s'est rappelé de la promesse. C'est l'amnésie, en fait, qui fait que vous vivez comme vous voulez. Parce que si vous avez cela en conscience, vous serez toujours dans la crainte et le respect. Quand tu as ouvert la bouche pour que ce soit, tu dois d'abord calculer. C'est sûr et certain, cela. Oh, le temps fait problème. Vous vous souvenez, lorsque... Esaïe s'est trouvé là, à cet endroit, et qu'il a pu voir effectivement le ciel s'ouvrir. Et qu'il a pu voir effectivement les séraphins autour de lui. Vous vous souvenez? Avant, il parlait comme tout le monde, il faisait n'importe quoi. Et effectivement, mais ces jours-là. Vous voulez qu'on lise un tout petit peu? Puis on revient dans 1 Corinthiens 10 et puis on va courir un peu vite pour qu'on puisse rentrer chez nous. Ah, Esaïe, chapitre 6. Voilà. Esaïe au chapitre 6. Voilà. Esaïe, chapitre 6, verset 1, il nous dit. L'année de la mort du roi Ozias, je vis. Donc, le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. J'ai toujours dit, Seigneur, ces anges-là n'ont pas péché. Il faut vraiment que le respect monte dans notre cœur, la considération, frère. Et même quand on est dans le lieu où l'honneur du Seigneur est invoqué, on se tient d'une manière avec respect. Nous, on ne peut pas se tenir n'importe. C'est là qu'on voit que dans l'intérieur de la personne, il y a, quand l'Esprit de Dieu est là, vous sentez quand la personne se tient dans le lieu où, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui vous donne le respect parce que son nom est invoqué. Alors regardez, il dit, des séraphins s'étaient nés au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient effectivement les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, les pieds et la face. Et comment dit non, et ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc, eux, ils se voyaient impurs. Il est tellement saint. Parce qu'on formule en disant 3 fois. Il ne peut pas être 3 fois saint. Il ne peut pas. Donc, la sainteté qu'il est, donc, on ne sait pas, il va pouvoir le nombrer, en fait. C'est pour ça qu'il dit saint. Saint, 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 l'Éternel. Oui. Alors, regardez bien comment ça se dit. Il dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, c'est Esaïe maintenant.
quand il a vu cela. Alors j'ai dit, oh malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Voyez, monsieur. Donc il se rend compte qu'effectivement, oh, c'est comme Job pouvait dire effectivement dans Job chapitre 42. Job parlait, et puis le Seigneur vient et dit, mais qui est celui qui a la foi de toujours médecin? Vous vous souvenez? Et maintenant, le Seigneur a commencé à parler, effectivement, Job. Il lui a décrit tout, effectivement, aussi. Et maintenant, dans le chapitre 42, il dit, Job, il dit quoi? Mais écoutez bien ce qu'il dit, Job, pour que vous puissiez comprendre cela. Nécessaire, mon frère et ma soeur. Dans Job, au chapitre 42, nous lisons, effectivement, aussi, rapidement, aussi, hein, parce que, bon, c'est que, voilà, c'est dit rapidement. Ah là, Job, chapitre 42, il dit ici, et verset 1, il nous dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Amen. Et qu'aucune pensée ne peut être cachée. Amen. C'est la vérité. Et oui, c'est la version que vous devez comprendre. Alors il dit, quel est celui donc qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassaient et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je te rejoindrai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Mon frère et ma soeur, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, et que le Seigneur t'amène dans cette dimension-là, ta bouche à toi ne sera plus la même. Non, mon frère, aussi longtemps que tu n'as pas encore été dans cette dimension-là, que tu n'as pas eu à pratiquer ces choses, tu insulteras, tu critiqueras les gens, tu parleras de... parce que ta nature est tellement mauvaise. Tu prends plaisir assez à parler du mal des uns et ceci là. C'est pas la nature d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. C'est la nature des mondains. Tu peux avoir fait 150 ans dans la parole, comme tu le dis, ce n'est même pas la parole de Dieu. Parce que si tu avais fait 150 ans, tu aurais été déjà changé. Totalement et complètement. Alors, nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 10, effectivement, parce que nous allons peut-être arrêter là, comme je le disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, il nous dit, alors il dit, voilà, disons, oui. Je ne veux pas, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé, écoutez bien, ça c'est touchant, le même aliment spirituel. C'est pour ça que Dieu les a vraiment décimés. Oui, c'est vrai. On dit qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. Et puis, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient... Ça, c'est grave. Frère et soeur, vous savez, c'est pour ça que je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire, ne vous donnez pas trop d'importance en vous-même, ou ne prétendez pas croire que vous êtes plus que l'un ou l'autre. Quand cette pensée vous vient déjà dans l'esprit, c'est déjà la chute complète. Bien sûr. Et ça, on nous dit bien qu'ils ont tous bu au même rocher, ces rochers qui les suivaient. Donc, ils ont vu des choses surnaturelles que toi, de tes yeux, manger même aliment spirituel. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les grands problèmes, c'est ceci, parce qu'on nous dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils sont donc péris, et puisqu'ils périssent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils l'ont eu dans les déserts.
malgré, vous me suivez, ma sœur et mon frère, je vais m'arrêter après, malgré tout ce que Dieu faisait, qu'il voyait des choses surnaturelles, il murmurait, il se plaignait toujours, à tel point que vous vous souvenez, la partie qui a eu à pouvoir mettre un peu ce moment, c'est que quand ils tous sont arrivés à Kadesh Barnéa, ils avaient entendu parler donc de la terre promise, effectivement, dont Dieu avait dit un pays où coulent les laits et les miels. Ils pensaient que c'était une illusion ou une sorte de métaphore. Vous me suivez, ça? C'est comme vous aujourd'hui, hein, quand on vous parle des choses, effectivement, de ce que Dieu est en train de faire, de ce qu'il va faire, effectivement, de l'enlèvement, c'est comme une métaphore. Les habitudes se sont installées en vous. C'est pour ça que vous vous permettez de dire n'importe quoi, critiquer effectivement aussi et parler du mal. Vous avez facile à aller de maison en maison, ceci et cela. Vos conversations toujours, tu as entendu? Et tu sais, elle a dit effectivement, alors vous ne vous rendez pas compte en fait, vous êtes venu dans la bouche de Satan en fait. C'est donc cela que... Jean-Baptiste, donc, a eu à pouvoir appeler race des vipères. Les vipères ne peuvent faire sortir simplement que les venins. Vous vous souvenez, ça vous rappelle, non? Comme Jacques l'a dit, la langue. Cette langue ici que nous bénissons, Dieu, c'est celle avec laquelle nous maudissons. C'est plein de venin. Elle détruit les gens. Elle est petite, mais destructive. On prend plaisir, hein? La Bible nous fait savoir que quand il faut parler des choses, et quelqu'un dit, non, on a tellement le plaisir de pouvoir parler. Ça fait du bien. Si ça te fait vraiment du bien quand tu parles de mal des gens ou critiquer les gens, c'est que tu es vraiment la sémence du malin. Est-ce que vous m'avez entendu bien? C'est-à-dire qu'effectivement, que les saintes écritures démontrent ta propre nature à toi. Au reste, frère, et tout ce qui est vrai, ce qui est digne d'approbation, effectivement, si bon, digne de louange, effectivement, soit l'objet de... Tiens, vous connaissez ça. Ça, c'est... On parle, effectivement, à la sémence d'Abraham. De Dieu ne peut pas arriver, on peut voir. Je termine. Arrivé donc à Kadesh Barnéa, ce peuple qui pensait que c'était une métaphore, évidemment aussi, quand on dit, ah, comme aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas la crainte? Parce qu'en fait, vous ne croyez pas à ce que la Bible dit. Oui, oui. La communion, Christ, vous ne la connaissez pas. Vous ne croyez pas. C'est pour ça que vous voyez, et c'est simplement dimanche que l'assemblée est remplie. Ça, mon frère, et nous nous parlons, hein, je suis d'accord. Vous m'aidez? Ça, tout le monde chante, mon frère. Je t'aime, mon Seigneur. Maintenant, viens à l'assemblée. Ah, mon travail, je travaille à 6000 kilomètres. 6000 kilomètres. Et puis si je viens et je vais rentrer tard, mes enfants ne vont pas arriver à pouvoir se préparer tout autour. Et les enfants des autres qui sont ici, qui viennent tout le temps aussi. Vous voyez, frère, le problème, c'est que quand je parle avec un frère, j'ai toujours eu à pouvoir, je l'ai dit encore, je parle avec un frère et une soeur, je sais que vous êtes hypocrite. Vous pouvez faire les efforts que vous voulez. Dieu m'accorde la grâce de sentir quand vous parlez. Vous me dites, ah, je t'aime, ceci. Ne perdez pas votre temps pour moi, avec moi. Vous savez, quand je m'étais, Dieu m'était, moi, je suis demandé, je m'assieds comme ça, et je vous écoute, je vous regarde très bien. Je vous écoute bien, frère. Je vous l'ai dit la vérité. Vous voyez à pouvoir, mais je sais que votre intérieur est fou, en fait.
C'est ça qui me fait souffrir, en fait. Je rentre à la maison, je pleure, je me mets à genoux, je pleure. Je te laisse savoir, voir que tu, ce que tu me dis, toi, tu es juste, tu es vrai, mais je sais que tu es faux, tu es double, en fait. Et tu as des mauvaises intentions quand tu fais quelque chose. C'est ça. Double. Mais quand vous avez un enfant de Dieu qui est droit, vous sentez, c'est les parfums qu'il dégage. Autre chose, en fait. Kadesh Barnea arrivé là, c'était le point. Alors, Moïse, vous devez envoyer des espions pour qu'ils aillent explorer le pays pour voir si le pays était comment, parce que Dieu leur avait dit, c'est un pays où... Vous permettez? Un pays où coule le lait et le miel. Il n'avait jamais été là, il n'avait jamais vu cela, effectivement. Donc il devait marcher par la foi. C'est ça le problème. C'est ça qui t'est demandé aussi aujourd'hui. Le juste vivra. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Il devait faire confiance au Seigneur qui leur a dit non. C'est un pays où coule le lait et le miel, effectivement. Où les montagnes boivent de l'eau. Ah, ils se disaient, mais c'est pas possible, effectivement, donc, en Égypte, nous avons vu que là-bas, il faut durement pour travailler. Il dit, mais là-bas, quand la parole, il dit, mais là, vous n'avez même pas pouvoir faire des efforts. La graine, la sémence tombe, elle pousse d'elle-même. Vous trouverez même des arbres que vous n'avez même pas plantés, depuis que vous n'avez même pas creusé. Oui, monsieur. Il dit, ah bon, nous, on a toujours appris à pouvoir creuser, et tout ça. Il dit, non. À la marche, effectivement, sur la marche, ils allaient, effectivement, non. Pendant que la parole était prêchée, on leur parlait, effectivement, ici, nous sommes le peuple de Dieu, mais en fait, ils murmuraient, ils ne croyaient pas, ils avaient des doutes. Malgré que la nourriture spirituelle leur avait été donnée. Ils pouvaient voir que c'est vrai, mais pour croire vraiment, ils disaient, mais la manne, le pain qui est descendu, et puis Moïse, parle au rocher. Le rocher fait sortir de l'eau. Vous me suivez? Maintenant, Kadesh Barnea, Moïse envoie donc des espions, comme vous le savez très bien, ils sont arrivés. Ouh, tous ceux qui étaient partis, ils ont exploré le pays, les fonds en comble, et ils sont revenus avec le même témoignage. Ils ont dit, le pays est comme le Seigneur l'Éternel l'avait dit. Non, mais quand il avait dit là lui-même, là, vous n'avez pas vu. Est-ce que vous comprenez? Vous devez croire, effectivement, que si, qui vous l'a dit, il dit la vérité. Et quand ils sont arrivés là-bas, effectivement, ils ont eu à pouvoir rentrer. Mais c'est la vérité, hein. C'est effectivement comme l'Éternel l'avait dit. Et puis on a vu le grappe de raisin. Hein. Il dit, mais c'est un pays où coule le lait, c'est la vérité. Et puis après vient quoi? Mais! Nous avons vu des géants. Ce que toi et moi, nous devons regarder et voir, c'est la parole de Dieu. Si David, permettez-moi, si David voyait les géants devant lui, David devait courir. Il devait fuir. Bien sûr que Goliath était là, mais David ne regardait pas la taille de Goliath. Il regardait la parole de Dieu. C'est ce qu'il avait dit à Saül. Quand il dit, mais tu es encore un petit, hein? Mais l'armure, effectivement, il dit, j'ai fermé, il dit, mais c'est un géant, il a expérience. Il dit, non, mais dis, mais écoute-moi bien. Le Dieu qui m'a protégé contre les lions, contre les ours, effectivement, ce Dieu-là, c'est en sorte qu'aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, c'est lui que vous avez à la Goliath là, je couperai sa tête. Ah, que Dieu soit béni pour de tels hommes. C'est ça la foi. On ne regarde pas comme les autres regardent. On regarde seulement ce que Dieu veut que nous puissions regarder. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Tendre Père et précieux, souvent, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous voulons te dire merci encore aujourd'hui pour ce jour que tu nous as donné.
Et la joie d'être dans ta maison, de te glorifier encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu nous as accordé cette grâce, mon Sauveur, de pouvoir entendre ta parole, mon Seigneur. Change-nous, Père. Et c'est ce que tu fais toujours, mon Sauveur, et nous a ouvert les oreilles pour que nous puissions entendre ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu veux de nous que nous soyons un peuple saint, comme tu es dans des ternums, dont les nations devront craindre mon roi, et qui s'accroche à toi, qui te sert de tout son corps et qui est attaché véritablement à toi. Mon âme te loue et mon âme t'exalte. Et mon âme chantera encore la gloire de ton Saint-Nom pour toutes les merveilles que tu ne cesses de pouvoir réellement accomplir. Mon Seigneur et mon Dieu, mon roi et mon maître, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu es digne d'être adoré, tu es vraiment digne d'être exalté, tu fais vraiment l'impossible, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ce que l'homme ne peut même pas imaginer, mon Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole à toi, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, mon Sauveur, je te loue encore. Nous sommes un peuple béni, mon roi, et nous sommes vraiment heureux parce que nous savons que tu es le Dieu de vraiment l'impossible, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, lorsque Esaïe a crié que, oh, je suis un homme aux lèvres impures, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, je vis parmi les hommes qui vivent contrairement à Père Saint-Dieu. Et c'est là que les séraphins ont pris la pierre qui était là avec des pincettes. Il dit, cette pierre a touché tes lèvres, Seigneur, et les choses ont été tout à fait différent. Mon roi, puisses-tu nous aider, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que de nos bouches ne sortent rien d'impur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais que tout simplement ce qui édifie encore davantage, mon roi, oh Dieu, ce qui pousse mon frère à pouvoir aimer le Seigneur, pousse ma sœur aussi à aimer le Seigneur, mon roi, que nous soyons vrais, sincères, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, aide-nous encore, mon roi, tu as dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, mon roi, que dans notre cœur, tu as dit que la parole de Christ habite abondamment en vous, mon Sauveur. Puisses-tu nous aider encore, puisses-tu nous assister, Seigneur. Nous voyons la descente, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ramassons les habitudes du monde, Père Saint-Dieu. Nous le ramenons, Père Saint-Dieu, dans l'église, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, c'est le monde en plein, mon bien-aimé Père Tubissant. Aide-nous, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu as dit, séparez-vous. C'est ta parole à toi, mon bien-aimé Père. Et nous voulons que tu sois le maître, le donateur de tout, don excellent, mon Sauveur béni. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et tes grandes compassions encore à notre endroit. Je t'aime, mon Jésus et mon roi. Tu es la parole véritablement de Dieu faite chair, mon Seigneur. C'est pour cela que nous nous accrochons à toi. Nous aimons ta parole à toi et nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu déclares, mon roi, nous avons besoin de pouvoir rester attachés à toi. Bénis nos enfants, nos petits-enfants et tes enfants qui sont à la chorale, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu les bénisses encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'ils soient bénis et surtout, Père, qu'ils soient aussi remplis de ton Esprit Saint. Nous croyons en toi et nous vivons pour ta gloire, mon Sauveur. Ta parole à toi transforme nos vies, Seigneur. Nous réalisons combien, Seigneur, nous sommes un peuple totalement différent du monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mis à part un peuple saint. Mon Seigneur et mon Dieu, je te loue de tout mon cœur, mon roi. Je rends gloire à ton Saint-Nom encore pour tout ce que tu fais. Remplis mon frère et remplis ma sœur, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Rends-nous sensibles à ta voix, mon bien-aimé Père Dieu, à vivre pour toi et vraiment à nous aimer encore ardemment les uns les autres, mon Seigneur. Tu as dit, imitez tout en commun, Seigneur. L'enfant de mon frère, c'est mon enfant. La fille de mon frère, c'est ma fille. Seigneur Jésus, c'est cela que nous devons tous comprendre et vivre pour toi. Sois donc béni et exalté, Seigneur. Que nos cœurs soient vraiment attendris, mon Seigneur. Louange et honneur à toi. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Bénis encore ton peuple, mon Sauveur, en cette soirée, Seigneur Jésus. Qu'il soit béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Arrose-nous, Père, et nous serons donc arrosés. Et qu'en sortant de cet endroit,
Que notre cœur puisse continuer à brûler au-dedans de nous, Père, parce que tu as réellement posé ta main pour ôter tout ce qui est impur dans chacun, Seigneur. Pardonne, pardonne encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons trouver davantage grâce à tes yeux, Seigneur, et avancer avec toi, mon Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, gloire à toi, car nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, mon Roi, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Merci, Père. Juste une chose que je voudrais dire, c'est à propos de notre frère que j'ai fait. Merci, merci. Ah, oh, oui, oh, merci beaucoup. Que Dieu bénisse, effectivement, c'est une jeune demoiselle, je pense. C'est comme si un monsieur, ou que monsieur, hein? Oui, c'est lui qui donc, s'appelle Claudia, qui, hein, c'est ça, Claudia, qui était invité par notre frère Rocher. Que Dieu le bénisse richement aussi, c'est aussi une consolation aussi, que Dieu le bénisse beaucoup. J'ai voulu donc tout à l'heure, pendant que je vous disais, que j'ai invité mon frère, hein, en venant s'asseoir là, parce que les dimanches, la première fois que je l'ai vu, il était assis, je pense, à cet endroit-là. Alors, je regardais, et puis j'ai vu mes regards qui sont posés sur lui, touchés. J'ai été heureux de pouvoir le voir. Et c'est notre frère qui est venu donc de l'Afrique. Donc le cousin, hein, c'est le cousin, le frère. Hein, hein, frère, voilà, le frère de notre frère Modeste. En plus, l'anniversaire de notre frère Modeste, hein, 42 ans de mariage, quel bonheur. Hein. Et là, frère Modeste, il est toujours particulier. Et Dieu, en plus, nous avons eu la joie d'avoir dimanche sa petite fille qui vient de loin. Oh, que Dieu soit béni. Le Seigneur a consolé notre frère Modestin, qu'il soit béni. Et alors, notre précieux frère, alors quand je suis donc descendu dans mon bureau, je vois mon frère Modeste qui vient et qui demande à me voir avec mon précieux frère. Donc son frère, il me présente en disant « c'est mon frère » et il travaille au Congo, comme vous le voyez là, il travaille dans le ministère, effectivement, il a un poste effectivement aussi là-bas. Alors il me parle, effectivement, vous voyez son humilité quand même. Oui, et alors, et il est assis dans mon bureau, il me dit « voilà, il est venu spécialement du Congo parce qu'il doit subir une opération, une intervention chirurgicale pour ses yeux ». On a examiné, effectivement, qu'on a vu que ses yeux ont vraiment un problème. Il en souffre énormément aussi là-bas. Donc, il est venu ici pour qu'on puisse donc intervenir, effectivement, donc pour ses propres yeux, en réalité. Alors, il dit, mais je lui ai parlé pour pouvoir te voir. Hein, si il veut donc te parler pour pouvoir aussi voir si tu peux prier donc pour lui. Et j'ai parlé avec mon frère. Et alors, on parlait ensemble, effectivement. Alors, je lui dis, tu voudrais donc, parce que c'est sa demande aussi, que je voudrais donc que vous puissiez prier pour moi ainsi. Alors, on a parlé un peu avec lui, effectivement, si c'était dimanche après la réunion. Et alors, comme j'étais en bas, donc j'ai dit, bon, écoute, on va monter. J'ai dit donc à frère Jonas et frère José, donc, qui m'aident à pouvoir monter ici. J'ai dit, frère, je dois monter. Et on est monté avec mon frère et mon frère, notre frère Modeste, donc, nous attendait donc en bas. Alors, parce que quand on a parlé, puisqu'il devait aller maintenant pour qu'on puisse avoir quand même le médecin qui allait donc faire l'intervention. Donc, il fallait qu'ils prennent aussi les rendez-vous là-bas aussi pour consultation et tout ça, ainsi de suite. Je fais un peu en bref, hein, pour que bon, ce que c'est. Alors il est venu, donc on est monté, j'ai dit bon, je vais prier pour toi, il s'est vraiment génué humblement. Alors je lui ai dit une chose, j'ai dit, au fin fond de ton cœur, tu crois que Jésus de la Bible, a la capacité de pouvoir te rendre la vue et faire en sorte qu'effectivement, que tes yeux-là, qu'il y a un problème dont on doit opérer effectivement aussi parce que ils ont vu des choses qui sont à l'intérieur, il y avait trop de tensions et tout ça. On doit arriver à pouvoir opérer. Est-ce que c'est Jésus de la Bible là? Tu es toi qui es capable de voir le faire. Mais il a répondu avec assurance. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu acceptes que c'est Jésus de la Bible là soit vraiment dans ton âme à toi?
Il dit, mais avec, parce qu'il vient de Kinshasa, de l'assemblée des pasteurs Barouti. C'est ça, Barouti, hein? Voilà. Et alors, c'était un frère. Alors, il a eu à pouvoir exploiter en disant, mais vraiment, c'est de tout mon cœur. Il l'a déjà, le Seigneur. Alors, je lui dis une chose, j'ai dit, c'est ta foi, toi, que tu as déclarée, qui va agir pour toi, effectivement. Et j'ai prié pour mon précieux frère. Puis nous sommes descendus, effectivement, là-bas, parlant avec Frère Modeste, effectivement. Alors, quand le frère est parti, lorsqu'on faisait, on devait faire les examens, tout ça, ainsi de suite, effectivement, lui, déjà, il disait, il clamait, il dit, moi, déjà, on a prié pour moi. Je pensais ça. Pour moi, je suis guéri. J'ai la foi dans tout ce que vous pouvez dire, effectivement, il y a peu de problèmes. Moi, pour moi, je suis guéri. J'ai dit en bref, hein, parce qu'il parlait de cela avec beaucoup d'assurance quand il parle. Alors, on est allé avec lui chez le médecin pour qu'effectivement qu'on puisse faire des examens qu'on avait fait, qu'on avait vu qu'il y avait donc des problèmes et des taches comme ça dans les yeux, effectivement, sinon qu'il décide en fait une opération. Alors, ils sont partis et le médecin examine, il le regarde et dit, mais monsieur, il n'y a plus rien. Alors il dit, mais regardez bien, dois-je encore voir s'il y a des médicaments? Il dit, non monsieur, on ne peut rien vous donner, alléluia, ni vous envoyer chez quelqu'un d'autre, parce qu'on a examiné, il n'y a plus aucune trace à l'intérieur. Il est venu ce soir, effectivement, dans mon bureau pour me rendre ce témoignage, effectivement aussi, pour témoigner que le Dieu que nous servons, il agit aussi. Et c'est aussi le même jour aussi. Non, c'est un frère qui est sincère. C'est aussi le même jour aussi l'anniversaire de mon frère. C'est pour ça qu'on a parlé de mon frère. Moi, j'ai dit, Dieu lui a donné un cadeau. Amen. Pour son frère. Amen. Pour son frère. Quelle joie, quelle reconnaissance, effectivement. Et alors, Madagascar, là, celle qui est assise à côté, là, elle a bondi de joie quand il m'a écrit. Il dit, j'ai encore un témoignage encore à rendre encore pour lui, pour ça, pour la foi qu'ils ont, la manière de voir, j'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Non, c'est merveilleux de voir que, et alors, je pense que c'est lui dont tu m'as parlé, qui écoutait la prédication ou quelqu'un d'autre. C'est lui. Alors, il me rend témoignage, parce que ça, lui, il m'a pas dit, hein. Il dit qu'ils étaient, en fait, à l'écoute. C'était en Afrique, tu crois, hein? Bon, le frère, vraiment, que Dieu le bénisse. Vous savez, beaucoup de gens nous suivent sans que vous vous rendez compte. Alors, il sourit. Alors, le frère était connecté, en fait. Alors, j'apportais la parole, effectivement. Et puis, suis, ici, tous, ici, en santé, suis tous. Et puis, je parlais, effectivement, en rapport avec frère Branham, ainsi de suite, effectivement. Alors, il y avait des questions, maintenant, qui s'est posées, en fait. Je crois que c'est évident. On parlait pour le moment là-bas aussi, cette question. Alors, quand ils ont posé la question, effectivement, à propos de ce que je venais de dire, moi, j'avais déjà quitté la chair. Et puis, lorsqu'ils se sont posé cette question-là, ils sont là, hein, j'étais là-bas, et puis tout d'un coup, je me lève. Je viens, je me tiens ici, je réponds à leurs questions. Alors il dit, mais c'est pas possible, il dit, mais cet homme était parti, est-ce qu'il nous a entendu ou pas? Mais des kilomètres au niveau de Kinshasa. Oui, c'est nous servons un Dieu qui est surnaturel. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère, qu'il te bénisse richement. Nous allons nous lever pour prier, pour remercier le Seigneur pour lui aussi. Tendre Père et précieux Sauveur, tu es vraiment le Dieu qui console mon roi. Ton fils était venu avec larmes, Père Saint-Dieu, et que ses yeux devaient être opérés. Les choses qui étaient à l'intérieur se voyaient par l'aile mécanique, mon bénévole Père Tout-Puissant. Mais lorsqu'il s'est approché de toi, reconnaissant que tu es son Dieu, le faisant de l'impossible, mon roi, il a cru de tout son cœur. Mais c'est sa foi, comme Pierre pouvait dire, que ce jour-là, ce n'est pas nous, mais c'est la foi de cet homme. Dans le nom de Jésus-Christ, mon roi, qui a rendu cet homme aussi guéri aujourd'hui. C'est la foi de mon frère, qui a fait qu'il soit guéri, que ses yeux ont été perdus, guéris totalement et complètement, que les médecins ont pu témoigner qu'il n'y a plus rien à pouvoir faire, sauveur. Qu'il soit béni, mon Seigneur, qu'il soit fortifié, que sa foi aussi soit aussi fortifiée encore davantage, mon roi. Merci aussi pour notre précieux frère Modeste que tu as consolé, qui a amené son frère, Père Saint-Dieu, et qui aujourd'hui son frère vraiment en parfaite santé. Merci aussi pour notre soeur Bénédicte, mon roi, toute la famille entière. Gloire à toi, nous te remercions et nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Car nous t'avons aussi remercié de tout notre cœur dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon roi. Ah.
Pardon. Ah oui, oh, pardon, merci. Oh, pardonnez-moi. C'est parce que je suis pressé pour ne pas vous retenir. Alors, s'il s'agit effectivement en rapport avec les obsèques en fait, du grand-père de Déborah Lifessé, je sais que nous savons tous que les désirs de chacun de vous, effectivement, de nous tous, c'est de pouvoir aussi aller là-bas, aussi pour consoler aussi, la consoler aussi avec toute la famille. Mais j'ai eu à pouvoir appeler pour dire effectivement que nous mettons un stop. Pourquoi? Parce que la famille, donc la grand-mère, a décidé de pouvoir faire le crématorium. Alors dans le crématorium, nous n'avons pas de place. Ce n'est pas pour nous de pouvoir aller là-bas, crématorium. Hein. Alors j'ai dit donc à la maman que bon, nous ne pouvons pas. Et mon bébé, il sait très bien aussi. Un crématorium, ça ne sert à rien, parce que qu'est-ce que nous allons faire? Les cendres? Voir les corps brûler? Ce n'est pas ça que... Donc, je leur ai fait comprendre que les frères et sœurs avaient les désirs, mais sur cette base de cette chose-là, comme ça, bon, si au moins il y avait peut-être un endroit des bobins, on va peut-être faire quelque chose, mais de toute façon, c'était pas... On va se faire, donc... Et si vous voulez maintenant souhaiter les condoléances à votre sœur, quand nous sortons même là... Effectivement, vous pouvez le faire. Mais pour l'enterrement et tout ça, nous le faisons, enfin, nous le sentons donc condoléances à partir d'ici. Et nous ici, elle sait très bien, c'est votre sœur. Donc elle comprend très bien que nous ne pouvons pas être là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère José. Merci de m'avoir rappelé tout cela. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse, Echon. Merci. Merci. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel Dieu demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait, levons-nous s'il vous plaît, fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce qui est bien. L'Éternel Dieu demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton oui, avec ton Dieu, tu marches humblement avec ton Dieu. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans